Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 30 mai 2021, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour le prix de l'Orangerie, troisième course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Comme souvent lorsque le galop est à l'honneur, c'est un handicap divisé de première épreuve, pardon, qui s'offre à nous. La référence de cette compétition est très intéressante et il y aura des éléments de qualité au départ. Sur une piste qui devrait être bonne, tout au long du parcours des 1300 mètres, la bagarre fera rage et ce, pour notre plus grand plaisir de turfiste. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 1, Dark American. Habituellement piloté par Christophe Soumillon, malheureusement à pied pour l'occasion, c'est Yoritz Mendizabal qui sera son partenaire. Avec l'as à la corde et 62 kilos, c'est logiquement la chaleur dans le clan Sartor. En deuxième choix, le numéro 2, Simply Striking. Gérald Mossé, son jockey, est très expérimenté et affiche une belle forme depuis plusieurs semaines. Sa dernière fin de course étant excellente, il peut viser la gagne aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Elusive Foot. Jérôme Régnier l'aime beaucoup et pense que dans cette compétition, il peut et largement espérer monter sur le podium, lui qui reste sur deux bonnes deuxièmes places dans les Quintés Plus. En quatrième position viendra le numéro 4, Moutrafort. Vincent Cheminot le connaît sur le bout des doigts et après une excellente rentrée, il aura logiquement de nombreux partisans. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 10, Toichk. Michael Barzalona, son pilote, affiche une très belle forme depuis plusieurs semaines. Théoriquement, avec cet élève de la famille Nigueux, il peut espérer monter sur la plus haute marche du podium. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 3, Brave China. Hiroshi Mizu est un entraîneur d'origine japonaise qui fait du très bon boulot sur le sol français. S'il fait appel au service d'Olivier Pellier aujourd'hui, ce n'est assurément pas pour rien. En avant-dernier choix, le numéro 11, Kubo. En grande forme depuis qu'il a rejoint les boxes de Jean-Pierre Govin, il visera logiquement une confirmation après sa récente très bonne troisième place. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Devil. Avec l'aide de Maxime Guyon, ce pensionnaire de Frédéric devrait logiquement remettre les pendules à l'heure après sa récente contre-performance. En cas de non partant, le numéro 6, Barra Cattle, monté pour la circonstance par Anthony Crastus, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent logiquement le tiercé, quarté, quinté plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP